Salut à tous les amis, c'est Monsieur Josh. Aujourd'hui on se retrouve en forêt, encore une fois, pour une petite aventure. Je vais pas aller très très loin dans les bois parce que encore une fois c'est la période de la chasse. Il y a plein de chiens qui aboient. Je dirais même qu'ils sont par là-bas avec les fusils et compagnie. Donc je vais me poser au même endroit. Alors, on va déballer les affaires tranquillement, préparer un petit camp, se poser et comme à son habitude, préparer un petit café au milieu des bois. On y va. Là avec moi les amis, donc c'est mon frère qui me l'a offert, le Sport Utilitaire Blanket. Qu'est-ce que c'est? C'est une genre de tarpe couverture de survie. C'est un produit canadien, donc il se trouve que au Canada apparemment. Donc, ça fait pas mal de choses, hein, couvent, couverture de survie, voilà, il y a plein de petites choses. On va l'utiliser aujourd'hui. Écoutez, ça tombe très très bien parce que au moment où je termine l'abri, il commence à pleuvoir. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Là on est bien. Franchement, c'est plutôt stylé. Bon, en fait, le problème de ce truc-là, du tarp, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de système de montage. Hein. On fait un peu comme on peut. Et surtout, l'imagination qu'on a et puis en fonction du cadre qui nous entoure. Là, par chance, j'avais de la paracorde. Mais si on n'a pas de paracorde, il faut improviser. Ce qu'il y a de bien avec ce tarp-là, c'est que l'intérieur est en une espèce d'aluminium qui va garder notre chaleur corporelle. Ou si on fait un feu, la chaleur du feu. Donc c'est surtout super intéressant pour les propriétés thermiques qu'il va nous offrir. Voilà. Oh, je me suis vraiment bien mis, j'ai une petite branche derrière. Oh, c'est le pied. Franchement, je me verrais bien bivouaquer ici, limite. Mais j'ai pas encore sauté le pas du bivouac tout seul. Un jour peut-être, bientôt, j'espère. Ça serait sympa. Franchement, on est très 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 bien. J'avais prévu d'essayer de faire un feu dans des conditions un peu extrêmes, mais on va dire voilà, bois humide, atmosphère humide, et de ne pas utiliser surtout d'amadou artificiel, donc d'utiliser des amadou naturels que je trouverais en forêt. Allez les amis, il est l'heure d'acquérir ma première étoile du bushcraft. Donc dans la vidéo précédente, je suis allé chercher donc cette bûche. Donc je suis allé chercher une bûche qui était relativement sec. Vous pouvez voir à l'intérieur, c'est sec. J'ai trouvé de l'amadou naturel que j'ai cueilli au préalable et des petits branchages vraiment secs. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refendre cette bûche en plusieurs sections.
Et c'est parti, je vais allumer un petit feu rapidos, je vais pas le laisser allumer longtemps parce qu'il y a les chasseurs dans le coin. Et je crois que le terrain leur appartient d'ailleurs. C'est parti. Nice. Nice. L'amadou naturel. Mes amis, vais-je obtenir mon étoile? Feather stick. Alors. Putain, j'ai quelque chose. Écoutez, pour le moment, c'est un échec cuisant. Ok, dans l'idéal, il faudrait que je trouve du bouleau blanc. Mais là, on n'a que du frêne partout. C'est super chiant. Écoutez, les amis, j'y arrive pas. J'ai pas le bon amadou. J'aurais dû trouver une écorce de bouleau, mais je l'ai pas, j'ai pas trouvé. Ce qu'on va faire, c'est que je me permets d'utiliser ne serait-ce qu'une boulette de coton. Si j'y arrive pas, je n'aurai pas mon étoile. Cette fois, on est bon. Là, on est pas mal. Bon, après, c'est pas un feu comme ça qui va nous aider à consommer donc des petites bûchettes. Il faut vraiment que le feu atteigne une certaine chaleur. Avec un peu plus de temps à farmer des ressources, genre du bois, des brindilles, etc. J'aurais vraiment fait un gros foyer. Là, j'essaie vraiment de faire un petit feu, déjà, on va dire, discret. Parce que bah, je suis pas... voilà, en pleine journée, il y a les chasseurs. Vous allez voir là, le bois, qui... toute la flotte à l'intérieur qui se met en ébullition. Vous voyez comme le bois là il est imbibé. J'essaie de pas cramer mon truc là. Voilà, on peut voir les bulles de flotte. Le bois est vraiment imbibé d'eau et c'est pour ça que ça a du mal à partir depuis tout à l'heure. Ça, les amis, c'est un couteau croche qui va nous servir donc à créer des cuillères. Mais voilà, j'ai commencé à créer un petit creux. On finira ça tranquillou à la maison. Bon, les amis, moi je me refais un petit café dans mon petit abri. Voilà, la bâche vraiment cool, la scie et le couteau au top, toujours. Malgré ça, une petite journée en forêt toujours aussi cool, aussi reposante. J'ai froid au pied, il faut vraiment que je m'achète des bonnes chaussures pour l'hiver. Sachez qu'un bivouac est prévu avec moustiques pour janvier-février, on ne sait pas encore. J'espère que cette vidéo vous plaira. Merci à toutes les personnes qui commentent régulièrement mes vidéos, qui me soutiennent, ça fait vraiment plaisir. Puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.